Bon, ça y est, Cédric, on est parti là, du coup. Ah oui, pardon, ça tourne. Oui, écoute, là, on vient de dépasser le village des Houches, petit village de départ de piste de ski. Donc, ça y est, on a entamé par une mini route goudronnée. Puis là, ça y est, le chemin est déjà plus confortable, avec des petits cailloux, tout ça, sympathique. Là-bas, il y a le massif des Fises, c'est comme ça que La tu chaîne l'appelles, des la Fises. chaîne des Fises, voilà. Absolument. Et on entend une buse. Tout à fait. C'est tout à fait vrai, ouais. Donc c'est comme ça qu'on démarre, avec l'ambiance des pelleteuses qui gravinent là-bas en bas, qui fait je sais pas trop quoi dans la vallée. Donc ma foi, on va vite regagner les grands plus sauvages. Et puis on commence d'emblée par un petit raccourci, ou en tout cas un chemin pas très emprunté, donc on va être peinard. On va pouvoir faire nos petites affaires, nos petites conneries. Mmh. Espérons que Nico, que t'es pas dans le pool, mais tes chaussures te vont bien, donc ça devrait faire. C'est vrai. La pleine intimité du Babos Bourguignon. On vient à peine d'entamer cette journée, mais elle commence déjà pas mal. Là, on est au pied du glacier de Bionacet. Et voilà, au-dessus du col du Tricot à 2920 mètres, qui est juste ici. Alors du coup là on a quitté le camping à 7h, là on est sur un petit sentier, c'est même pas une variante, c'est un petit sentier qui est en parallèle en fait du TMB, et après on va remonter sur un col qui s'appelle le col de l'Enclave. Alors pareil, c'est pas une variante, c'est enfin pas une variante officielle en tout cas, c'est un petit sentier, enfin un petit col très sauvage, il ne devrait pas y avoir grand monde, on devrait être assez tranquille. Et voilà, parce qu'hier il y avait pas mal de monde, beaucoup de monde, donc c'est sympa aussi de passer par des sentiers un peu plus sauvages quoi.
lac Jovet sont en dessous. Et là, on monte vers Col d'Enclave. Et voilà. C'est vraiment une belle pente. En tout cas, les lacs en dessous sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Alors là, du coup, on est environ 150 mètres en dessous du col d'Enclave. Voilà, on s'est posé pour le bivouac. Et du coup, l'idée demain, c'est de redescendre au fond de la vallée, de remonter sur le col de la Seigne et d'aller jusqu'à Courmayeur ou aux environs. Donc voilà, là, la météo est pas terrible. Mais bon, on voit le mont pourri au fond, là, magnifique, vraiment. Bon, normalement demain ça devrait être une journée correcte, on va dire, niveau météo. Mais bon, on verra bien. Un marmotton, c'est toujours mignon. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'animaux, on a vu un gros bouquetin là-haut. Et voilà, du coup, on va sûrement aller le chasser pour. Oh bah, il faut au moins ça. Le faire à l'apéro, quoi. Comme tranquille. Là, normalement, on devrait se taper de l'orage ce soir. Donc, il va neiger, c'est mon fond de Mont Blanc là. Ça se trouve. Donc là on redescend la combe de Belaval. On va rejoindre ensuite le refuge des Motets et remonter ensuite sur le col de Seigne. Bon, hier on s'est fait éclater par l'orage. Au début je filmais et tout. Et puis après j'ai arrêté de filmer et j'ai juste tenu les arceaux de la tente parce que j'avais peur qu'elle se couche. On s'est pris des rafales je pense à 90 km/h avec grêle, énorme rabasse, la foudre qui tombait juste à côté. Ah bon ouais, c'était assez folklorique.
Alors là, on a pris une petite route. Un petit sentier beaucoup plus sauvage qui fait office de variante. Depuis hier matin, on marche avec une germano-américaine